Bonjour, je vais vous présenter Socialbro. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment créer un compte et deuxièmement des fonctionnalités de Socialbro. Pour créer un compte Socialbro, rendez-vous sur socialbro.com. Ensuite, cliquez sur Sign In en haut à droite. Puis sur cette nouvelle page, cliquez sur Sign Up Now. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et sur cette nouvelle fenêtre, vous avez trois options. Donc choisissez celle qui vous convient le mieux. Pour moi, ce sera Twitter Advertising. Vous cliquez sur Site in Action. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à remplir le formulaire. Une fois logué et votre compte Twitter linké à votre compte Socialbro, il vous faudra attendre 5 à 10 minutes pour que le compte se synchronise. Ensuite, vous pouvez aller sur My Community, par exemple. Et donc ici, nous allons voir comment chercher des profils qui pourraient nous intéresser, des profils à suivre sur Twitter. Donc dans Criteria, allez dans All Twitter. Ici, marquez votre keyword, donc par exemple Big Data. Une location si vous le souhaitez. Donc ici, France, par exemple. Cliquez sur Search. Et voilà, les profils apparaissent. Une fois les profils affichés, vous pouvez changer et filtrer les comptes avec les critères sur votre gauche. Donc ici par exemple, j'ai filtré avec le nombre de followers et le nombre de following pour avoir des comptes pas trop gros ni trop petits, donc des comptes en fait actifs qui me correspondent aux miens. Ensuite, le follower et following ratio, donc c'est pour pas avoir par exemple des comptes qui suivent par exemple 2000 personnes mais il n'y en a que 50 qui le suivent, donc pour filtrer en fait la qualité des comptes. Ensuite, le time since last tweet, donc là ici je l'ai mis à 15 jours au maximum. En fait, comme ça me permet d'avoir des comptes qui sont actifs, qui sont très frais, avec des utilisateurs qui posent beaucoup de contenu, par exemple. Une fois les filtres apposés, vous pouvez cliquer sur Following Mode en bas pour suivre en cliquant sur les cases les personnes correspondant à votre recherche. Tips importants, ici vous pouvez voir un point d'exclamation sur le profil de ce compte. Cela veut dire que j'ai déjà suivi ce compte auparavant, donc je vais éviter de le suivre encore pour éviter de spammer. Sur Socialbro, vous pouvez aussi unfollow les personnes que vous suivez mais qui ne vous suivent pas en retour. Pour cela, retournez dans My Community, dans Criteria, People You Follow ou Don't Follow You, et avec le même principe qu'avant, changez les filtres pour avoir les personnes que vous voulez vraiment unfollow. Socialbro vous donne aussi la possibilité d'interagir automatiquement avec les autres personnes sur Twitter. Pour cela, allez dans Engagement et Rule Builder. Vous atterrissez donc sur cette page. Donc par exemple ici, si quelqu'un me mentionne dans un tweet et que dans son profil, dans sa bio, il a le mot-clé Big Data, qu'il est par exemple en France, donc on peut en changer tout un tas d'autres critères. Vous pouvez choisir par exemple d'ajouter à une liste, d'ajouter un tag au profil, envoyer un message direct, faire une mention dans un tweet ou même envoyer un email. Et tout ça en changeant aussi le délai auquel vous voulez le faire. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cela vous sera utile. Socialbro est un incroyable outil, je vous conseille vivement de le tester.